Zami Frè Maksèm, mwen sale ou nan nou Seigneur Jésus ki gen tout pouvwa. Ou sou chanel sa ki se Aristef Estevan. Objektif nou se preche parol bon Diye. Etudye et debat tout tem profetik yo nan la Bib pou kapab pote eksplikasyon pou ou nan fason ke nou kapab e nan fason Bib la mande pou nou eksplike li. Nan fè tout recherche pou nou kapab ede ou. Ou menm tou nou souwete ke ou ede nou ansanm avèk chanel la, pataje videyo yo pou parol la kapab rive pi lwen e kite komantè yo e pou nou le ou genyon kesyon kapab pose kesyon nan an ba nan komantè a. Si toutfwa ta rame kontakte nou tou ou ap jwenn kontak nou sou email ou bien sou telefòn, ap kite kontak nou nan deskripsyon videyo a. E nou souwete ke ou akompanye nou nan travay sa. C'est une façon pour nous capable prêcher parole là à tout le monde et faut que tout le monde tende parole là pour que Jésus-Christ lui-même lui capable tourner. Et bien reste branché n'a tourner ensemble avec vidéo à pour Juste avant nous ouvrir parole bon Dieu pour nous commencer n'a pas invité la présence du Saint-Esprit par la prière. Seigneur éternel notre Dieu, nous bénissons Seigneur, nous exaltons pour grâce ou miséricorde. Dans moment ça Seigneur, nous prenons étudier parole. Nous prenons ouvrir la Sainte Bible qui c'est parole qui ou quitter pour nous comme une lampe pour éclairer chemin nous. Et Seigneur, nous implorer dans moment sa présence cet esprit pour capable éclairer jeune comme ça nous capable comprendre parole aidez-nous ba nos forces pour nous mettre parole en pratique avec chaque monde Seigneur qui peut regarder vidéo ça quel que soit côté ou la caillou ba nos forces Seigneur mettez dans yo le désir pour capable chercher présence sous comme ça Seigneur nous capable grandir ensemble dans parole dans la foi. Nous va faire un discours devant Seigneur nous prions dans nom petit tout Jésus lui-même qui vit et qui règne pour tout temps. Amen. Une autre fois encore moi souhaite nous bienvenue sur channel là. Nous avons étudié Apocalypse chapitre 5 qui parlait de un livre qui scellé de 7 sceaux. Depuis dans chapitre 4 là nous voyons Jean lui-même lui était invité et Jean te voit comment adoration internationale là qui salte ouais il te raconte nous tout ça que il te ouais et dans ciel là mais pas oublier tout ça Jean ouais yo c'est pas Jean seulement qui te ouais tout le monde dit comme ça te gain Isaïe qui te ouais tout le monde dit dans Isaïe chapitre 6 et te gain prophète Zacharie aussi qui te ouais et tout le monde dit ensemble avec chérubin yo. Eh bien, n'a continuer ensemble avec étude nous dans chapitre 5 là. Jean pour alors arriver dans moment pour recevoir message que l'Éternel recevoir. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui disait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Dans chapitre 5, là, dans verset 1er, Jean dit, li wè, nan men droite si la ki chita sou tronan, yon livre écrit en dedans et en dehors.
et livre la liste scellée de sept sceaux. Sept sceaux ça qui scellé livre là pour nous parler de sceaux, chers amis. Dans l'époque ça yo livre yo là on parlait des livres, c'était des rouleaux, pas oublier les Jésus-Christ allé dans temple là, yo te remettre un rouleau Ésaïe. Et dans l'époque Jean lui-même, c'était des rouleaux. Jodi allez nous parler des livres, nous wel yon l'autre façon, mais dans l'époque ça allait parler des livres, c'était yon rouleau. Et soa lui-même, soa li était fait d'une façon sec, ça veut dire nous wel et Daniel lui-même li était recevoir la kaywa, les Daniel te fini raconter rêve là, wa te mette Daniel ministre, li était bay Daniel yon bag, et ce bag ça qui était considéré comme sceau nan men et autorité. Et comment bag ça t'a pral yon sceau nan men autorité? Yo t'a pral mette yon forme soit en argile ou du moins yon forme de masse sous rouleau a. Yo ferme rouleau a, yo mette yon masse sous li et yo t'a pral peser bag la sous li qui t'a pral fè tourner ta course yon bouton et bouton ça t'a pral lè li sèche, li t'a pral ferme rouleau a et moun ki t'a pral recevoir message la te dwe craser sou sa pour que livre la te capable li. Alors c'est pour ça Jean lui-même li dit ki li wè que livre la li écrit en dedans et en dehors, li scellé de sept sceaux et Jean t'a pral recevoir tande yon voix, yon ange qui dit qui est qui dit pour ouvrir livre ça. Et pour craser so yo, c'est ça que fait, il parlait de craser so a, parce que so a te sou yon forme, yon bouton, et pour te craser bouton, casser bouton, pour te ka ouvert ou lo a, pour gen accès, pour te li et ou lo sa. Mais, dans verset 3, Jean t'apprend dit que, li pat ka jwen, yo pat ka jwen pièce moun ni nan ciel la, ni sous terre ni en bas terre qui te digne pour ouvrir livre là ni pour te même garder livre là. Et Jean te crié pour qui ça? Jean te crié, Jean gen intention que ça qui gen pour river yo écrit dans livre ça et pièce monde pas capable ouvrir livre là. Jean pensait que pas gen pièce monde qui pour capable ouvrir livre là, et bien il pas recevoir message ça parce que message qui écrit dans livre ça li concerner la terre. C'est ça que fait Jean Wel. Sinon Jean pas ta pour elle. Tout ça Jean Wel là, tout ça Jean Wel scène qui a déroulé yo, 24 vieillards yo et agneau qui immolé que Jean Wel, yo tout yo concerner la terre. Et alors Jean Wel livre la pas qu'a ouvert et c'est ça qui en dans livre là qui pour aller un message pour la terre. Mais pas oublier dans verset 5 là, gagnon nan vieya yo qui dit Jean pas crier lion tribu Juda rejeton David là li vaincu li digne pour ouvrir livre là et pour craser soyo. Mais ça Jean te reprend courage. Alors pour qui ça livre ça li scellé? Qui type de livre qui scellé? Dans Daniel chapitre 12 verset 4, pas oublier Daniel te recevoir un pile message pour la terre. Daniel te recevoir vision et de prophétie qui t'a pour arriver dans la fin yo. Et bien, là Daniel a posé question pour le comprendre, pour les anges expliquer tout ça qui gagne pour arriver yo. Alors, dans Daniel chapitre 12 verset 4, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alors, chers amis, c'est là nous t'apprenons que Apocalypse qui c'est un livre de révélation. Et là, Jean t'apprenons le livre, ça a été scellé. Eh bien, comme temps de la fin gain pour arriver, faut connaissance augmenter, faut que livre qui te scellé a, faut que soit écrasé pour que la terre capable connait qui ça qui gain pour arriver pour nous préparer nous pour grand conflit ça
qui gagne pour arriver et grand conflit ça qui a fait là dans moment ça. Et je vis au-dessus du trône et des quatre êtres vivants et au milieu d'un vieillard, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le... Là, j'entendais Lion tribu Juda, lui dit pour le livre là. Jean t'a pas ouais, dans milieu quatre êtres vivants yo, au milieu quatre êtres vivants yo. Et au milieu vieillard yo, gen yon agneau qui était là tant kou immolé. Il était gen sept cornes et il était gen sept yeux. Sept cornes ça yo et sept yeux ça yo, c'est sept esprits de Dieu. Pas oublier, nous gen une vidéo que nous te parlé de ça déjà qui c'est sept esprits de Dieu ça yo côté Ésaïe lui-même. Li décrit sept yeux et sept cornes sa yo. Li décrit qui sa sept esprits de Dieu yo. Ye. Al regarde vidéo sa ou ap comprendre plus clair qui sa la Bible dit à propos de sept esprits de Dieu. Parce que la Bible nous toujours parlé de le Saint-Esprit. C'est pas sept. Mais là, li parle de sept esprits de Dieu. Et bien, si nous regardons vidéo sa, nous ap comprendre pour qui sa le dit sept esprits de Dieu envoyé par toute la terre. Jean dit dans verset 7 là, li vini agneau immolé, li vini et li prend livre là dans main droite si la ki chita sou trône. Zami, Apocalypse rempli de symboles. À chaque message qui voulait passer, gen yon symbole qui représente message ça. Pas maintenant dans tête ou pour arriver dans ciel ou pour voir Jésus tant kou son ti agneau qui blessé ou bien qui semblait qui était mort et qui vive et ou bien on parle ouais un lion qui donc Jésus-Christ pour le transformer. Ça c'est un symbole qui représente qui est qui digne pour ouvrir livre là et pour qui ça lui digne pour ouvrir livre là. Alors symbole ça représente que agneau ça qui c'est Jésus-Christ qui était immolé à cause des sacrifices ça qu'il était fait pour la terre et l'homme gain accès à bon Dieu encore après le péché et c'est lui-même qui fait liaison ça c'est lui-même celle qui gagne pouvoir pour connecter l'homme ensemble avec bon Dieu à cause des sacrifices ça et c'est lui qui dit pour ouvrir le livre là c'est à cause de ça qui fait agneau apparaître ensemble avec sept cornes et sept yeux sept cornes gagne signification sept cornes c'est la puissance de Dieu en prophétie cornes représente puissance. Et Dieu représente l'omniscience de Dieu, qui donc bon Dieu lit tout partout, et présence lit à travers le Saint-Esprit, lit sur toute la terre, c'est ça qui fait lui envoyer par toute la terre. Et c'est lui-même qui dit pour ouvrir le livre là. L'elle prend le livre là, qui ça qui passait? Le trône. Quand il lui prit le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards et leur nombre était des myriades et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis, disent, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur,
la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les quatre vivants disaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. L'album livre là, 4 êtres vivants yo, et 24 vieillards yo prosternés devant l'agneau. Et yo chaque yo prend un harpe et yo prend coupe d'or. Qui ça gagne dans coupe d'or ça? C'est parfum. Parfum ça représente prière saint yo. Pas oublier bon Dieu relè nous saint. Là on prend décision pour suivre Christ là. Pour observer sa limande ou. Pour suivre parole li ou représenter des saints, lire les saints, ce n'est pas parce que vous êtes sans péché, mais à cause de sang annuel rend nous saints. Et prier ça, vous priez, bon Dieu, prier ça, vous allez devant, tournant, vous allez dans, vous coupe en or ça, vous remplit avec parfum, et c'est prier ça qui rentre dans le coupe là. C'est pour montrer que adoration, bon Dieu, l'on adore, bon Dieu, l'on prie, bon Dieu. Prier ça, li al jouen et céleste, li alle nan coupe ça pour que prier ça li fait partie adoration, nan moment adoration, pour li entrer nan ligne de compte, nan même moment adoration, parce que adoration, faut que li commence par quatre êtres vivants. Et pas oublier nan leçon passé, à nous te dire que quatre êtres vivants, ça yo visage yo gen, yo, yon gen visage yon homme. Yon gen visage, yon ti bœuf, yon semble yon egg kap vole, et yon gen visage, yon lion. Yon tous les quatre là, yon représente, visage ki yon gen, yon représente Jésus-Christ, qui c'est lion de la tribu de Juda, yon gen lion, tribu, yon gen visage lion, hein? Qui c'est ti bœuf là, qui représente service et serviteur Jésus-Christ, il n'est pas venu pour moun servir, il vin servir moun. Le bœuf là qui c'est un bête domestique et aigle là qui a volé qui représente Christ encore qui représente leader qui c'est guide pour guider tout le monde vers le ciel et il représente tout un homme qui c'est fils de l'homme pas oublier toujours le fils de l'homme. Eh bien chers amis, nous parlons dans verset 9 là. Yo chante yon cantique nouveau. Jésus-Christ c'est Dieu. En pile fois dans mitan chrétien, en pile dans nous a dit Jésus-Christ c'est fils de Dieu, mais il pas égal à Dieu. Jésus-Christ recevoir adoration zanjou, même Jean avec papa bon Dieu, papa li qui dans la livre Apocalypse qui dit si là qui chita sous trône qui c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, et là, nous prenons le Saint-Esprit qui représentait tous deux. Alors, Jésus-Christ représentait ensemble avec sept connaissances de Dieu, qui c'est sept esprits de Dieu. Il y a sept lampes qui a brûlé devant toi, qui représentait sept esprits de Dieu. Alors nous voyons le Saint-Esprit qui statue qu'elle gagne. Nous avons pour nous faire une vidéo pour nous parler de le Saint-Esprit qui est lié et qui Jean-Louis représente dans ciel-là, qui ça nous parle. Si toutefois nous t'a sauvé et nous sommes certains que ça lui a li possible, ça lui a li garanti à travers sang agneau. Il suffit que vous gagne volonté pour sauver. Si vous pas gagne volonté pour sauver, qui sont pour le faire? Vous pour suivre propre voie ou pas suivre voie Christ la tracé pour vous pour sauver. Yo chante un cantique nouveau, yo dit que ou digne pour prendre livre là. Et pour ouvrir soyo, parce que vous êtes immolé et vous racheté pour Dieu des hommes passant où, de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Sacrifice Jésus a été fait pour racheter toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il n'est pas fait pour une nation. Alors, chers amis, dans verset 10 là, il dit que il fait un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Et yo pral régner sur la terre. Yon royaume de sacrificateurs, ça veut dire automatiquement ou accepter Christ ou c'est un missionnaire pour Christ.
automatiquement ou accepter Jésus-Christ, ou c'est un sacrificateur. Alors après le sang Jésus-Christ fin versé sur les bois du calvaire, pas un sacerdoce encore. Alors pas un prêtre, pas un sacrificateur encore. Le grand prêtre c'est Jésus-Christ et tout sacrificateur c'est serviteur lui sur la terre. Ou même ou c'est un missionnaire pour bon Dieu pour aller prêcher parole. Par contre, il y a des gens qui disent que c'est eux-mêmes qui ont l'onction Saint-Esprit, c'est eux-mêmes celles qui comprennent la Bible, c'est eux-mêmes celles le Saint-Esprit manifesté, c'est eux-mêmes celles qui l'a pour mener dans le ciel. Parole, bon Dieu, elle est baille pour tout le monde comprendre, tout le monde qui voulait, bien entendu. Si vous ne voulez pas comprendre, vous voulez que sa leader religieuse, Dieu, là, c'est lui pour suivre, alors vous ne pouvez pas fouiller l'écriture, vous ne pouvez pas sonder l'écriture pour comprendre, et bien vous pouvez venir avec, ou absoudre. Eh bien, chers amis, vous c'est un royaume de sacrificateurs. Si vous voulez faire partie du royaume sacrificateur, ça, pas suivre moun, pas suivre parole moun, prends bibou et puis prends quoi au suivre Christ. C'est lui-même qui dit 20 modèles. Et nous, ouais, ennemi un grand travail à faire pour faire nous comprendre que et parole bon Dieu, et la Bible n'a pas parole bon Dieu. Un peu le monde sorti pour dire la Bible n'a pas parole bon Dieu. Parce que ouais, c'est lui-même celle qui a ouvert Joe. Si vous voulez pour être avec, c'est ça que fait. Je suis sorti pour dire ça. Et Jean dit, regardez, il tendait, voit un pile ange autour du trône. Et un pile vieillard, il dit ensemble. Et non, c'était des milliards et des milliards, des milliers et des milliers. Il te répond pour dire l'agneau qui est immolé. Il dit, pour recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est le même celle qui dit pour le recevoir parce qu'elle était immolée. Toute créature, ni dans le ciel, ni sous terre, ni en bas terre, ni dans la mer, tout répond. Pour dire si la kishita sous trône et agnoua. Soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Alors, nous ne savons pas qui est ce qui est en bataille qui a loué bon Dieu. Mais seulement nous connaissons, j'entendais toute créature, quel que soit côté, il y a loué bon Dieu. Et il y a loué à nous. Quatre êtres vivants, ils répondent Amen. Pas oublier ces quatre êtres vivants qui commencent la louange là et c'est eux-mêmes qui terminent la louange là. Alors, chers amis, l'important pour nous connaître que bon Dieu, adoration, ce n'est pas Jean ou voulait pour faire, c'est Jean bon Dieu voulait pour faire. Alors, ça, c'est un modèle qui montre nous que prière nous, adoration nous, nous allons mon Dieu comme des parfums. Même l'adoration, il n'est pas présenté Jean bon Dieu, Jean l'est adoré, il est parfait parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais si vous faites avec une sincérité de cœur, il peut aller dans le coup en os à côté le Saint-Esprit a transformé comme des parfums de bonne odeur pour faire partie de l'ouange qui est dans le ciel là que bon Dieu a recevoir. Nous souhaitons que vous compreniez partie ça, que le Seigneur bénisse. Pas oublier de quitter les commentaires. Pas oublier, chers amis, partagez. Partagez avec les familles et amis. Partagez sur tout contact ou sur tout groupe que vous avez. Laisse ça, on fait le même travail avec moi. Qui se prêche la parole là, en tout temps et en tout lieu. Toute façon que vous êtes capable de prêcher la parole. Kembe là, chers amis, nous remets en pile. Et nous avons terminé par un coup de prière. Seigneur Dieu, encore une fois, nous disons merci, Seigneur, pour le moment ça. Vous permettez que petit tout est passé dans le pied. Chaque fois que nous passons un moment dans le pied, Seigneur, nous sentons contents. Parce qu'il n'a pas rapproché plus pour eux, toujours, chaque fois, puis plus. Merci pour le moment ça. Merci Seigneur pour l'amour et merci pour le sacrifice. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, la gloire, la force, la puissance au siècle des siècles. Amen. Si, ahí será los hermanos de Jesús y tu amigo, serás tú también.